Bienvenue sur Regardez ces massages, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour la petite revue de Xur, où est-il et que vend-il. Donc en ce week-end du 17 décembre, Xur se trouve à la ZME. Et comme d'habitude, pour se faire à la ZME, vous allez à la Crixinuse. Et le temps d'arriver sur place, on voit ce qu'ils nous vend debout ensemble. Voilà, nous sommes arrivés au spawn et comme d'habitude, je vais laisser volontairement le chemin en entier, surtout pour les nouveaux joueurs qui ne sauraient pas exactement où se trouve Xur dans ces cas-là. Et pour une fois, on va prendre le petit raccourci, donc vous repérez bien le vaisseau. Et on va passer par ici. Et du coup, Xur se trouve juste en face de nous. Donc au niveau de l'arme, il nous vend la lance de graviton. Alors la lance de graviton, c'est un très bonne impulsion exotique. Et je vous engage fortement en fait à faire son kata. Et si on regarde par rapport à celle que je possède et qui est le catalyseur, on voit qu'au niveau de la portée, on a beaucoup plus de portée qui est octroyée avec. Et si on compare également, on va s'apercevoir qu'avec le catalyseur, vous avez l'acquisition de cible qui est améliorée, comme c'est indiqué. Donc, c'est plutôt important et c'est vrai que l'arme avec et sans, on voit vraiment la différence. Au niveau du chasseur, donc, ils vendent les éclats de Galanor. Les éclats de Galanor, pour rappel, ça vous permet, lorsque vous êtes chasseur avec la voie solaire et la voie du milieu avec les couteaux, de pouvoir récupérer votre super plus rapidement lorsque vous faites des kills avec vos couteaux. Alors certes, ça a été nerf dernièrement, mais donc on récupère beaucoup moins de super que ce qu'on récupérait avant avec les kills. Mais là par contre on a quelque chose qui est vraiment pas mal, on a quand même 23 d'intelligence de proposer avec ses gants, avec 14 de mobilité en plus, pour un chasseur c'est vraiment pas mal, et on est avec 66 au total. Là je vous les conseille quand même particulièrement si vous les avez pas. Au niveau du titan, nous avons des lions rampants. Alors les lions rampants, ce sont des formidables exotiques, enfin jambes exotiques si vous voulez faire des sauts pour le titan, dans ces cas-là on prendra le saut catapulte. C'est vraiment pas mal pour ça. Là on est avec des stats qui pourraient être mieux bien sûr, mais on est quand même pas mal. Donc avec 16 de résistance, 16 de discipline et 13 d'intelligence pour un total de 63. C'est plutôt pas mal, on peut toujours avoir mieux, mais en général quand on utilise les bots, de toute façon c'est pas forcément pour le combat, donc on les utilise rarement en même temps. Donc je vous les conseille également si vous les avez pas. Et enfin pour l'arcaniste, nous avons les bottes de Luna Faction. Alors même si elles ont été nerf au niveau de la distance, maintenant elles restent toujours d'actualité, toujours jouables. Là en plus pour l'arcaniste, honnêtement on a un rôle qui est plutôt pas mal. Donc avec 15 de récupération et 20 d'intelligence pour un total de 68, c'est plutôt des stats assez élevées. Donc n'oubliez pas, vous avez l'engramme prédestiné. L'engramme prédestiné, pour rappel, ça vous permet d'avoir un exotique, que ce soit une arme ou une armure, mais que vous n'auriez pas, mais antérieure à la saison 12, puisque depuis la saison 12, toutes les nouvelles armures ne s'obtiennent exclusivement que dans le secteur oublié, en mode légende ou maîtrise, et en solo bien sûr. Par contre, si vous avez toutes les armes et les armures, ça va vous permettre d'avoir une armure avec des stats aléatoires, et des fois on a de très bonnes surprises. Nous avons également la quête du cryptage exotique. Pour le récupérer, il faut que vous fassiez 21 activités. Alors vous pouvez faire un mix des trois. Donc un mix des assauts, deux parties de PVP et deux parties de gambit. Et une fois que vous avez vos 21 activités, vous avez donc votre cryptage exotique qui peut s'utiliser de deux façons. Soit vous pouvez reprendre un engramme prédestiné, mais vous pouvez le faire qu'une fois par semaine. Ou soit autrement, ça peut vous permettre d'acheter en fait une arme exotique d'une ancienne quête exotique que vous n'auriez pas pu faire. Donc en allant à la tour au kiosque exotique, je vous mettrai en petite suggestion le tutoriel que j'avais fait à ce sujet là. Et donc vous pouvez donc par conséquent avoir l'arme que vous n'auriez pas pu avoir auparavant. Voilà qui est tout pour la partie exotique, donc on va passer à la partie légendaire. Alors au niveau du pistolet mitrailleur, vélocité d'évasion, on a un rôle qui est plutôt moyen, d'autant qu'on va manquer énormément de portée à ce niveau-là.
Au niveau du pistolet, dernière danse, on a un rôle qui serait de toute façon plus orienté PVP tel qu'il est configuré. Par contre, comme vous voyez, son défaut, ça va être la portée. Malgré qu'on a une pièce maîtresse de portée, on va quand même manquer beaucoup de portée. On a le refus catégorique avec un impulsion qui serait plus orienté pour les consoles avec donc Moment Zen et Œil de la Tempête, donc ce sera plus une orientation PVP. Par contre, je pense qu'il va manquer à ce niveau-ci une stat qui permettrait d'avoir de la portée et puis de la stabilité. Autrement, le canon est plutôt pas mal. Au niveau du travail et tracas, on aurait un qui pourrait être utilisé éventuellement pour le PVP. On mettra plutôt de toute façon étranglement intégral dans ces cas-là. Par contre, de toute façon, ce qui va nous manquer également, ça va être de la portée. On a le pompe première entrée, dernière sortie. Alors là, on a un rôle qui est plutôt pas mal pour du PVE. On l'utilisera probablement avec rainurage hélicoïdal. On gardera munition de précision parce que de toute façon, le chargeur léger donnera pas beaucoup plus de choses. Par contre, la composition actuelle, donc avec le sort de rechargement, ça vous permet de recharger votre pompe lorsque vous n'utilisez pas. Et vous avez surtout démolisseur qui vous permet de récupérer de l'énergie de grenade. Et vu que maintenant les stats se font plutôt au niveau des kills pour récupérer vos compétences, ça peut plutôt être pas mal, hein, je vous le conseille particulièrement. Nous avons la guillotine actionnée, pardon, donc au niveau de l'épée. Là par contre, dans le rôle qui est proposé, là je vous le conseille pas du tout. Et nous avons enfin l'entrée royale, hein, lance-roquette d'il y a 2 saisons qu'on obtenait dans les assauts. Alors dans la configuration actuelle ici, effectivement, vous avez peut-être pas forcément les bonnes paires. Par contre, je vous conseille éventuellement de tester parce que vous avez cartouche de clown. Alors la particularité de cartouche de clown sur ce lance-roquette, c'est que ça vous donne directement... vous allez avoir 2 munitions dans votre tube, donc vous allez pouvoir faire 2 tirs consécutifs, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des équipements légendaires, on a les bras qui sont plutôt trop moyens. Bon, vous voyez, beaucoup trop homogènes au niveau des stats. Le torse serait nettement mieux, donc avec 16 de récupération et 14 d'intelligence. Le casque serait un petit peu mieux aussi. Alors je dirais, vous pourriez très bien prendre donc le torse avec 16 de récupération et 14 d'intelligence que vous mettriez avec ces bottes. Donc ça vous feriez 15 de récupération et 17 d'intelligence en plus, c'est plutôt pas mal. Et éventuellement ce casque si vous changez, enfin si vous avez besoin de force. C'est pas des pièces exceptionnelles quand même non plus. Hein. Donc on va bien sûr passer au titan. Au niveau du titan, nous avons des bras à oublier. Le torse serait plutôt pas mal hein, si vous avez besoin de force avec 20 de force. Malgré qu'il n'y ait que 59 ici, vous avez quand même 23 de force. Et là, vous avez une bonne pièce en discipline force. Mais les 2 meilleures pièces, hein, si vous voulez vraiment de la force, je dirais que ce serait ce torse que vous pourriez tout à fait prendre avec ce casque. Ce qui vous fait quand même pas mal de force au final. Éventuellement, vous pourriez finir avec ces bottes qui complétera, mais vous en aurez un petit peu moins avec cette pièce-là. Les 2 meilleures pièces que je vous conseille quand même pour la force, c'est donc ce torse et puis ce casque. Donc on va bien sûr finir par le chasseur. Nous avons des bras avec 25 de résistance et 20 de force. Hein, je vous les conseille pas mal, hein, c'est vraiment de très bons bras. Nous avons un torse qui serait un petit peu plus en retrait, mais qui est quand même tout à fait utilisable, donc avec 16 de mobilité et 16 de force. Nous avons également donc un casque avec 20 de mobilité et 17 de force. Et par contre, nous avons des bottes plus en retrait. Donc si vous voulez de la mobilité et de la force, hein, vous pouvez prendre ces 2 pièces, donc le torse et puis le casque. Par contre, je vous conseille fortement ces bras, donc avec 25 de résistance et 20 de force pour un total de 66. Voilà, ça va être tout pour la petite revue de Où Exure et Que Vantine, donc en ce week-end du 17 décembre. Alors on a vu quand même quelques belles pièces, hein, c'est nettement mieux que la semaine dernière. Bon, on aurait préféré avoir des pièces exceptionnelles sur chaque classe, mais c'est pas le cas. Mais bon, on prend déjà ce qu'il y a. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes qui ont pris le temps de la regarder. Et sur ce, gardiennes et gardiens, je vous dis sayonara et prenez bien soin de vos spectres.